Petite devinette, qu'est-ce qui va sur ses 15 ans et qui fait clic 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 clic? Bingo, c'est bien Diablo. Après un succès monumental en 2012 dont Blizzard connaît bien la recette, Diablo 3 a signé le retour du hack and slash préféré d'une écrasante majorité de joueurs. Celui-ci fait toujours l'actualité et pour cause, Blizzard a dévoilé à la Gamescom l'extension Reaper of Souls pour sa poule qui loot des œufs d'or. Nombre de ces nouvelles fonctionnalités proviennent des retours de la communauté et de discussions en interne. Je croisais une nouvelle classe autour de laquelle nous avons vraiment articulé l'extension Reaper of Souls. De plus, il livre cette image bien connue du chevalier en armure que nous n'avions pas retrouvé à travers les 5 autres classes. De plus, il est aussi compétent à courte portée qu'à moyenne portée. Cela a un réel intérêt stratégique. Un rééquilibrage et une nouvelle classe, ça ne se refuse pas. Mais comme il est de coutume sur PC, les extensions se doivent d'apporter un réel contenu. La différence s'en ressent lorsqu'on compare les DLC actuels aux extensions des Heroes of Might and Magic, Age of Empires et autres Diablo 2. Reaper of Souls ne déroge pas à la règle et apporte un nouvel acte qui se déroulera dans la ville bien connue de Westmarch. Westmarch est la plus grande ville de l'Ouest. C'est une ville dont les joueurs de Diablo ont souvent entendu parler. La place qu'elle prend dans ce monde en fait un peu la ville principale du sanctuaire, mais les joueurs n'avaient jamais eu l'occasion d'y aller. L'équipe a poursuivi l'idée d'un affrontement contre Maltael, l'ange de la mort. C'était une extension naturelle du scénario. Cela donne à Westmarch des airs de ville hantée, et cela contribue à une ambiance bien plus sombre qui évoque les anciens Diablo. Rappelons que l'extension Reaper of Souls est prévue pour 2014, puis intéressons-nous aux consoles de salon. En effet, Blizzard a décidé de porter Diablo 3 hors du PC pour la première fois depuis le désastreux épisode de Diablo sur PlayStation 1. Seulement que ceux qui s'en rappellent soient rassurés, Blizzard a préparé aux joueurs console un portage aux petits oignons. Ce qu'on a envie de faire, c'est un jeu de qualité Blizzard sur console. On n'a pas envie que ce soit un produit moindre, pour nous c'est extrêmement important. On a envie qu'ils prennent ce jeu et qu'ils se disent « Putain, c'est excellent, on va vraiment adorer, on va jouer pendant des heures, j'ai envie d'en parler avec mes potes, j'ai envie qu'ils jouent avec moi. » C'est ça qui est le plus important pour nous. Et tout d'un coup, on a créé un jeu qui a augmenté son dynamisme, puisque tu n'es plus en train de dire à ton personnage « Va ici », tu es en train de l'emmener directement. Tu es le barbare, tu es le mage et tu le contrôles. Sur Diablo 3 sur PC, quand tu es en train de te battre, tu es assez statique, tu ne bouges pas, tu utilises tes attaques, sauf si tout d'un coup tu es au milieu d'un incendie, tu te dis il va peut-être falloir que je fasse un pas de côté. Sur console, tu es constamment en train de te déplacer, tu es constamment en train de te repositionner pendant le combat. Et c'est donc un jeu qui est dans l'essence le même que sur PC, mais quand tu es en train de jouer, il y a quand même cette différence, ce changement de tempo, ce dynamisme qui est rajouté. Avec une maniabilité réellement adaptée à la console, le plaisir de la version PC, le confort du salon et la convivialité en plus, Diablo 3 sur PS3 et Xbox 360 est tout à fait valable. Et puis le plaisir de looter sur le canapé, ça ne se refuse pas.